garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et vos copains? On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. J'ai une petite surprise pour vous, messieurs. Ah bon? Oui. Ah oui? Est-ce que vous avez été bien sage d'abord? Oui, très très bien. Oui, oui. Ouais, comme toujours, hein. Comme toujours. Vous vous souvenez quand on est allé à la ferme tropicale? Oui. Oui, il y avait plein d'animaux et vous vouliez absolument en adopter un. Vous vouliez un animal de compagnie, vous vous souvenez? Oui. Et bien là, j'ai une super nouvelle pour vous. Vous allez avoir chacun un animal de compagnie. Ouais. Super. Allez, je vous les présente. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Hop là. Et voilà, messieurs. Vous pouvez dire bonjour à vos nouveaux amis. Bonjour. Qu'est-ce que c'est alors? On dirait un crocodile. Oui, ça ressemble bien à un crocodile. Un crocodile géant en bonbon. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça sent très très bon. Ça sent bon, même à travers le plastique? Alors voilà, ce fameux crocodile géant en bonbon gummy, c'est marqué dessus. Il y a une belle taille quand même, hein? C'est vrai. Alors voilà le verre, donc celui-ci c'est celui de Néo. Et voici maintenant le crocodile de Swan, donc c'est le rouge. Superbe aussi, hein? Je sais que ce sont des animaux de compagnie, mais quand même ils ont l'air assez appétissants, hein? Il est possible qu'on se laisse tenter, qu'on en croque un petit bout. Allez, vous pouvez les sortir maintenant. Voyons voir. Waouh. Tire. Et voilà. Alors, ces copains-là, ils ont l'air super sympas, dis donc. Très sympa. Alors, c'est bon, on les adopte? Oui. Fais voir, on va les regarder d'un peu plus près. Oh là là, ils sont superbes, magnifiques. Ils donnent bien faim quand même, hein. C'est vrai qu'on est d'accord pour les adopter, mais bon, quand même, on a bien envie d'en croquer un petit bout, hein. C'est un peu le problème, je dirais. Fais voir, Swan, tu vas nous présenter le tien aussi? Et voilà, celui de Swan en rouge. Superbe aussi, hein. Ils sont énormes, hein. Ça fait des sacrées quantités de bonbons quand même, hein. Oh là 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 là. Salut! Bienvenue dans notre famille, mais bientôt aussi dans notre estomac. Pauvre croco, pauvre croco. Attention Swan, je te rends ton crocodile. Ouais. Alors comment vous allez les appeler, vos animaux? Luigi. Ah oui. Et toi? Mario. Ah bah oui, c'est une bonne idée, c'est vrai, Luigi, parce que vert, hein, comme la casquette. Et Mario, parce que rouge comme la casquette. Ouais, d'accord. C'est plus ça effectivement, j'ai les crocodiles quand même, hein. Oh là là. T'es bien avec des crocos, tiens. Fais des boucles d'oreilles? Ouais, pourquoi pas. Des boucles d'oreilles crocodiles. Attention. Se battre dans les airs. Sacré crocodile quand même, hein. Pikachu. Bon, je vous rappelle quand même que ce sont des bonbons géants, hein. Donc bon, on joue avec, tout ça, on leur donne des noms, super sympa, mais on a le droit aussi de les goûter. Ah oui, oui, moi j'ai envie de les manger. Manger un petit bout? Oui. Et toi, Swan? Non. Ah, oh, tu veux pas le manger, toi? Non, c'est parce que c'est mon ami. Oh, d'accord. Si tu veux. Mais est-ce que nous, on a le droit de manger un petit bout du rouge? Oui. Ah, nous, on a le droit. Super, on va se régaler. Allez, vas-y, tu commences? Alors, vas-y, le verre. Commence par croquer le verre. Alors, ça a quelle texture? Ça a un goût super bon. Oui, bah, c'est du bonbon, quoi. Du vrai bonbon. Fais voir, moi, je vais essayer aussi. Un petit bout. Petit bout de crocodile. Avec quel goût, ça? C'est super bon. Ouais, il est super. Il est super, hein? Ouais. Tu as trouvé quel goût, toi? La poire. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Il me semble que c'est la poire. C'est super bon. C'est la fraise. Celui-là, le rouge? Voilà. Bon, on va goûter. On va tester. C'est vrai qu'à l'odeur, on dirait de la fraise, mais on va tester. Bon, au niveau de la texture, c'est super bon. On dirait les vrais bonbons Haribo classiques. Et c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est parfumé, c'est super. On essaye le rouge? Oui. Tu te laisses convaincre, Swan, un petit bout du rouge? Non. Non, bon. Oui, toi.
Ah, oh, t'es d'accord. Allez, hop. Allez, un petit peu du rouge. Ouais, vas-y. Alors. Allez, un petit bon, bout pour maman. Mais je préfère celui-là. Il a le goût de la fraise un peu. Non, c'est pas fraise. Cerise. Ouais, cerise. C'est cerise. C'est bon aussi, hein. Mais j'avoue que je préfère le vert moi aussi. À quoi tu penses, Fan? En fait, c'est une blague. Quand vous avez le droit de manger, c'est une blague. Tu voulais pas qu'on le mange? Oui, c'est une blague. Oh. Oups. Oups, désolé, on a mangé un petit bout. Ça va, tu ne nous en veux pas trop? Oui. Un petit bout, hein, je voulais. Un petit bout. Bon, ça va. T'es pas trop triste? Non, pas trop. Ça aurait été du chocolat. Je pense quand même que Swan aurait fait moins d'histoire. Hein. Ça aurait pour été le choco grenouille. Ouais. Pour le choco grenouille, t'as tout mangé. Tu t'es pas préoccupé de savoir si c'était une grenouille de compagnie ou pas. Je suis sûre que le crocodile aurait été en chocolat. Tu l'aurais tout mangé. Et oui, hein. Swan, son BG mignon, c'est le chocolat. Alors les garçons, est-ce que vous êtes contents de ces animaux de compagnie mangeables? Oui, je suis très content quand même. Maman, on a un petit presse pour toi. Nous aussi, on t'a trouvé un animal de compagnie. Oula, je crains le pire. Qu'est-ce que ça va être cet animal? Oui, c'est gentil? C'est oui, petit? C'est très très gentil et très petit. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air affreux. Une araignée géante. Une araignée géante. Bah. Tout ce que je n'aime pas. Moi, je suis pas très branchée araignée quand même, hein. Il faut dire. Oh là là. Mais heureusement, heureusement, je vois dessus qu'il y a marqué Candy. C'est une araignée en. Ah, ça va, on est sauvé, on est sauvé. Oui, effectivement, c'est un gros bonbon. On regarde à quoi ça ressemble. La voilà, cette araignée géante. Pff, elle est énorme. Elle pèse très lourd d'ailleurs. Hein. Fou là là. Ben, c'est marqué dessus, on marque 1 kg quand même. Hein. 1 kg de bonbons, c'est quelque chose. Ils mettent que c'est une araignée radioactive. Oui. Je pense que c'est par rapport à sa taille en fait. Hein. Ouais. On ouvre la boîte? Oui. Allez, on ouvre la boîte. Allez, Néo, ouvre le paquet de l'araignée géante. C'est un monstre en fait, non? Ça a l'air vraiment énorme. C'est quoi ce truc? Oh là là! Elle est superbe. Swan, tu veux la toucher un peu toi aussi? Tu vas oser? Salut! Elle est hyper lourde! Je sais pas si tu arriveras, Swan. Oh, mais hyper pas lourde! Hyper pas lourde? Si, mais je la trouve lourde quand même, hein, non? Un kilo? C'est vrai qu'elle est énorme, hein. Pff, un bonbon de cette taille-là! C'est fou! C'est fou! Essaye de la porter. Oh là là, pff, 1 kg, elle est énorme. La voilà, cette belle araignée, magnifique. Elle est belle, hein? Ah ouais, très grosse. Elle est énorme, énorme. C'est juste incroyable. Allez, je vous la rends. Attention, messieurs. Alors, Néo, si tu rencontres cette charmante araignée dans un bois, une forêt, un chemin, t'es d'accord pour l'adopter? Bien sûr que non. Ah! Bon, tiens, pourquoi? Je croyais que tu adorais les animaux bizarres. Non, pourquoi? Je veux bien lui donner un nom. Ah oui, comment on l'appelle alors cette araignée? Bowser. Bowser, ah, oui. Lui, c'est Woody, Mario. Lui, c'est le gros, c'est Bowser. Et voilà, évidemment, par déduction, voilà ah, Bowser. Voilà. Ils ont l'air très sympas, nos animaux. On le goûte, ce Bowser? Oui, pourquoi pas. Allez, je vais le goûter une petite pâte. Allez, on mange une pâte. Ça sent très fort, d'ailleurs. Ouais. Et toi, Swan, est-ce que tu veux manger un petit bout de l'araignée? Mais non, c'est Bowser. Ah, mais oui, c'est vrai, j'oubliais. Tu manges ni Luigi, ni Mario, ni Bowser. Bon, bah moi, par contre, j'ai moins d'état d'âme. Je veux bien croquer un petit bout de Bowser, moi. Voyons voir. Super bon, hein. Ah ouais, vraiment.
Alors, comme tout à l'heure, comme tout à l'heure au niveau de la texture, on est vraiment sur du bonbon de qualité, comme le bonbon Haribo, vraiment pareil, le vrai de vrai. Et là, quel goût ça a. C'est particulier, hein. Ouais. Tu sens quoi, toi? Ben, du citron. Oui, du citron. On dirait presque de la verveine, en fait. Tellement c'est citronné. C'est impressionnant. Ouais, c'est citron. Citron intense. Au début, j'ai cru que c'était du coca, mais non. C'est plus du citron, en réalité. Alors, les garçons, quel est votre animal préféré, finalement? Bah, moi, c'est l'araignée. Et en goût, bah, je préfère un crocodile, quand même, vert. D'accord, donc l'araignée, c'est pour la présentation, on va dire. Elle est plus impressionnante que le crocodile. Ouais, quand même. Mais par contre, en goût, crocodile. Et toi, Swan? Aucun, parce que j'aime Luigi, Mario, Bowser, voilà. Mais toi, tu les as pas mangés. Toi, tu les as pas mangés. Mais en aspect, en présentation, en forme, quelle est la forme que tu préfères? T'as préféré les crocodiles ou l'araignée? Le dinosaure rouge. Le dinosaure rouge? On avait un dinosaure aussi. Oui, regarde. C'était quoi le rouge? Mais c'était quoi comme animal? Un crocodile. Ah bah oui, un crocodile. Bien sûr, bien sûr. Donc Swan, il a préféré son crocodile rouge. C'est pour ça qu'il a pas voulu le manger. Voilà, c'est son animal à lui. Voilà, bien adopté en tout cas, c'est très bien. Les copains, quel est votre animal préféré? Dites-nous dans les commentaires. Pensez au pouce bleu. Et surtout... Abonnez-vous. À bientôt les copains. Bye bye. C'est pas le même gabarit, hein. Attention, attention, ne les faites pas tomber par terre, n'oubliez pas qu'à la fin on les mange, hein. Oui, oui, hein, pas de gaspillage sur cette chaîne. Bien sûr, nous allons les manger, ces bonbons. Et si on n'a plus assez faim, qu'est-ce qu'on en fait? On les donne aux amis et à la famille. Eh oui, bien sûr, ils sont contents, hein, qu'on présente des bonbons géants en vidéo, ça leur convient bien, comme ça tout le monde se régale.